Jeff? Judy? Je suis très heureux de te voir. Je passais dans le coin et je me suis dit que tu serais sûrement là. J'étais en repérage pour mon prochain film. Je vois que tu as enfin fait réparer l'horloge. Ah, cela fait bien 4 ans. Paulo l'a fait avant d'être emmené. L'époque où il pouvait encore exercer. Je peux? Je te sers? Tu penses bien que je ne pouvais pas passer si près sans venir te voir? Mets-toi à l'aise. Je reviens. Tu es magnifique, Judy. Tu vas finir par t'ennuyer seul ici. Je te connais. Ce qu'il te faut, c'est jouer. Voilà. La véritable raison de ta venue. Un rôle? C'est un rôle magnifique. Au Théâtre de la Madeleine. Ce n'est pas pour moi, Jeff. Remonte à Paris avec moi. L'homme qui te servait de mari ne reviendra pas. C'est un rôle fait pour toi. Viens avec moi. Ça t'ennuie si je ne repars que demain? Tu es toujours bienvenu, Jeff. Tu m'excuseras, je ne m'attendais pas à avoir de la visite. Ce n'est pas grand-chose à t'offrir. Ce n'est pas grave. Ta compagnie me suffit. Bon appétit. C'est... Il ne faut pas croire ce que l'on dit sur les Allemands. Grâce au Reich, les salles sont pleines et notre art perdure. Viens à Paris avec moi et tu verras. Jeff, nous en avons déjà parlé. 4 ans. Ça fait 4 ans que nous n'avons pas travaillé ensemble. Tu ne trouves pas cela trop long? Tous les deux, nous avons parcouru la France, produit les plus grands chefs-d'œuvre. Nous sommes une paire, un duo, et ça depuis le début. Jeff, ça suffit. Tu parles d'un temps qui n'existe plus. Plus rien ne sera jamais pareil. Judy?
Avec Jeff, c'est imposé pour la nuit. De retourner à Paris, de jouer à nouveau pour lui. Tu joues pour les Boches? Bien sûr que non. Si on partait à Hollywood, tu pourrais continuer ta carrière là-bas, tourner, faire du cinéma. T'as plein d'amis. Moi, j'ouvrirai une boutique et je travaillerai. Il fait doux ce soir. Avec cette chaleur, je ne trouvais pas le sommeil. Un bain nous ferait peut-être du bien. Arrête. Jeff, lâche-moi. Polo, les amants arrivent. Allez vite! Es ist mir eine große Freude, Sie kennenzulernen. Ich wünschte, es wäre unter anderen Umständen. Wir würden von einem gemeinsamen Freund kontaktiert. Also, leben Sie hier allein? Ja. Es tut mir leid, Frau Rosenberg, aber wir müssen das überprüfen. Für Ihre Sicherheit und der des Dritten Reichs. Meine Frau und meine achtjährige Tochter.
Ich habe sie nach Ihnen benannt. Judy. Ich habe alle Ihre Filme angesehen, als Sie in Deutschland gedreht haben. Wir vermissen Sie sehr. Also? Nichts. Geh draußen suchen! Meine Tochter träumt davon, so zu sein wie sie. Sie hat sich bei einer Schauspielschule angemeldet. Entschuldigen Sie, ich würde ihr gern ein Autogramm von Ihnen mitbringen. Ich komme bald wieder. Draußen! Auf den Boden. Komm her!